permettre toute activité de reprendre définitivement à partir de demain. Gagner que tu es déjà reprendre dans le commerce là, circulation, tu es déjà reprendre. Il y a l'école là qui se perd une semaine, donc il y a une disposition qui apprend pour permettre tout petit monde reprendre chemin l'école. Et dans l'intervention qui va le faire là tout, n'a pas bah des informations sur ce qui passé hier dans Malpasse. Nous avons pour communication ça, quatre membres du gouvernement, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, le secrétaire d'État à la Sécurité publique et le secrétaire d'État à la communication. Je passe le ministre de l'Intérieur là, micro pour être capable de faire communication. Monsieur le ministre. Merci. Bonjour, membres de la presse. Bonjour, secrétaire du ministre de la Justice qui accompagne là. Bonjour, secrétaire d'État, sécurité publique, avec secrétaire d'État, communication. Ministère intérieur et collectivité territoriale, je demande aux citoyens dans tout le coin pays, si tout le monde qui vit dans Port-au-Prince, ville au Caï, à cause haïtien qui était bloqué à cause de situation de tension avec la troublaille semaine qui s'est passée. Je demande pour commencer l'activité normalement, j'en sais qu'on fait là. Je demande tout leader conséquent dans la communauté, nos tables, tout le monde qui a eu l'idée pour aider la population à comprendre plus bien la situation du pays. Pour y avoir été tête frette et puis travailler ensemble avec la population pour qu'il y ait la paix dans la communauté. C'est comme ça. Nous avons établi bon Jean Chita, dans le respect l'une pour l'autre, qui doit permettre de trouver une solution au problème dans la tête collée dans les haïtiens. Dans ce sens, le ministère intérieur et la collectivité territoriale a une grosse tête chargée devant la violence avec des autres, toute qualité qui te gagne dans le mouvement manifestation dans le jour qui s'est passé là. Il y a une situation côté te gagne plusieurs laissés frapper avec la police. Mais en plus, ça crasé brisé sous bien l'État avec privé. Le ministère a constaté et puis regrette qu'on ait un valet monde qui est victime directement. Ou soit à cause de conséquences, mouvement panique, yote qui est dans toute la ria. Côté mouvement, ça a commencé à sembler tête coupée avec la bataille de la guérilla qui a gagné pour faire tout le monde en dedans le pays paix. On a une responsabilité pour qu'il y ait stabilité et puis gérer la sécurité avec l'autre institution de l'État en dedans le pays. Le ministère intérieur et la collectivité territoriale, yo fait qu'on est. Ni pas tolérer mode d'action ça yo qui représente une grosse menace pour la sécurité nation. Nous reconnaissons tout citoyen à groupe organisé dans la société a bien droit faire mouvement de protestation sans violence. On s'attend n'a pas un pinga bay moun qui a organisé mouvement chire pit ça yo qui pas respecter la loi et puis qui a servi à violence. Mettez sous menace à la Pérez dans passer en papier droit à liberté tout l'autre monde à groupe monde qui pas marché dans mouvement yo. Dans ce sens ça, quel que soit citoyen, m'a bien dit, quel que soit citoyen, yo ta joine qui coupable dans fait mode action ça yo, brigandage ça yo, menace ça yo, il y a bien pour répondre pour zak yo devant la justice. Pour le finir, force l'audio, il y a une responsabilité tout pour couper tout mouvement, ou soit manifestation qui t'a doué pacifique, mais qui t'a chaviré un mouvement pour la guerre instabilité politique dans le pays. Premier ministre, là, pays, Excellence, M. Jean Rizéa, déjà passé l'ordre pour toute branche dans l'État qui concerne nos affaires de sécurité, prend responsabilité dans ce sens-là. Comme ça, le ministère intérieur et la collectivité territoriale déjà prend et a continué à prendre
toute disposition qui est nécessaire pour accompagner la population dans toute activité. L'école, tout service l'État, après prendre l'activité normalement demain, parce que la police est là pour assurer la sécurité, justement, tout le monde. Droit pour manifester, chita dans la Constitution. Mais il n'y a pas qu'à plus fort, parce que maman doit payer. Le ministère intérieur et la collectivité territoriale a demandé tout le monde de être tête frette. Et puis il y a travail pour la paix blaï dans tout le pays. Sous question mal passe là. Nous connaissons une situation privée sous droit de mal passe là. Hier matin, côté que un agent douanier qui a fait inspection, il était campé et on s'est dit qu'il s'est fait achat sur la frontière là. Malheureusement, et après ça, il est venu soldé par perte en vie humaine qui devait mettre que peut-être bien un paquet de chevaux qui est venu paraître après ça pour gagner trois agents douaniers jusqu'à présent que le juge de paix fait comme ça. Il a semblé que c'est quatre, mais il faut joindre l'autre quoi là. Et puis il y a deux civils qui ont perdu la vie. Et on a profité également pour sympathie par les gens qui sont victimes, surtout et agents et douaniers, et également à les civils qui sont victimes qui sont dans la zone pour incident malheureux qui est arrivé. Et pour le moment actuel, il faut dire que la grande délégation qui est montée sur la frontière à Kounéan, qui a côté qui a un représentant cadre et la douane qui montait, accompagné de la police et également et des agents immigration qui montaient par rapport avec l'incident ça et également pour permettre que l'activité reprenne. Parce que il y a deux camions de marchandises matin qui a passé la douane et côté que la police est obligée de bloquer sinon parce que pas bien agent douanier qui était là. Donc pour le moment, il y a un agent douanier qui est arrivé sous place et également agent immigration pour permettre que l'activité reprenne et sous frontière. Et n'a pas assuré tout également que au niveau sécurité, pour les gens qui ont fait la zone de Saro, pour aller Saint-Domingue ou qui ont sorti de Saint-Domingue, pour sécurité assurée. Et dans ce sens-là, il y a des CPA qui voient que la circulation non seulement faite normalement, dans la zone également, pour mettre que les gens qui ont fait commerciaux et marchandises, que vous passez normalement selon la loi de la douane. Encore une fois, et merci pour le dépassement. Nous, c'était un point de presse. Il y a peut-être deux ou bien trois questions, on a compris pour nous répondre. Pour cela, nous avons avec nous sécurité et secrétaire d'État et à la sécurité publique, et également le ministre de la Justice qui est là. Si tu as une éventuelle question, peut-être deux ou trois questions, nous en avons besoin pour nous répondre. Trois questions maximum. Bonsoir, monsieur le ministre, et non pas M. Gratis Saint-Louis, on travaille pour Radio Igbo. Alors, j'ai deux événements, ça y est, il y a pile de monde qui est toujours en difficulté depuis à 10h du matin. Donc, il fait appel, voice sur nous, sur les réseaux sociaux, des policiers qui te font appel. Et le gouvernement toujours dit la lutter contre contrebande. Comment nous expliquer que des agents douaniers, alors, la lutter contre contrebande, et il y a seulement une quantité d'agents douaniers qui sont en frontière et qui en difficulté de pagayer l'État, et comme si nous avons dit que yo absent, personne ne pas répondre, et puis les événements finissent de passer, et puis nous mettons des commissions, bien tout ça. Comment nous expliquer que la lutter contre contrebande, et j'ai dû accès ça. Sous mal passe là, nous avons trois entités. Nous avons la douane, nous avons l'immigration et puis nous avons la police. Chaque doué remplit le rôle dans l'espace par. Et l'heure s'arrive, côté agent immigration, agent douanier, qui est en difficulté, effectivement. Peut faire appel avec la police. Et de fait, la police sous place. Nous avons un commissariat de police qui est sous place.
Et c'est peut-être là que l'agent ou talent fugio est en difficulté. C'est pour vous dire que l'État présent, effectivement, a mal passé. Peut-être, et le problème d'effectif qui peut être qui empêché que ça arrive, mais l'État est effectivement présent à mal passe. Donc, c'est bien malheureux que ça arrive. Et là, s'il y a des corrections, vous faites peut-être après des corrections, mais l'État est toujours présent. C'est vrai qu'on a pour lutter contre la contrebande, et le fait m'a profité de saluer l'agence AO, également directeur de douane, qui prend des mesures, effectivement, pour nous lutter contre ça. Mais il faut dire que ce n'est pas un bagage qui est facile pour du jour au lendemain pour changer le bagage. C'est au fur et à mesure que nous prenons des dispositions pour nous changer. Et je pense que et la douane également, non seulement pas, c'est pas non seulement mal passe, mais sur toute zone frontalière là, il y a des dispositions à prendre pour bagage pas arriver et pour effectivement nous contrôler la frontière là, non seulement pour marchandises et pour armes, pour tout cas de bagage par entrer tout dans le pays. Deuxième question. Moi, c'est Anne-Marguerite, ma travaille pour Télévision Nationale d'Haïti. Donc, dis-nous, monsieur le ministre, tête comment doit n'aille, est-ce qu'il y a une partie qui brûle la donne, commissariat, expliquez-nous comment tête est. Alors, pour dégâts matériels, et effectivement, commissariat, il était brûlé, effectivement, plus brûlé entièrement, mais. Douane saccagé, mais il n'est pas, pas brûlé. Donc c'est douane côté et justement agent immigration pour aller là à Kounia là, c'est là où le travail. C'est la police renforcée. Et je pense que l'activité va prendre. Peut-être en visu, mais nous, comme je disais tout à l'heure, c'est trois agents douaniers que juge de paix et où est censé, avec deux civils qui perdent la vie. Mais il paraît-il donc quatrième agent douanier qui était couru et l'elle gain du feu sur l'île découru à la tête dans la clan, mais jusqu'à présent, il faut rejoindre le paix, c'est trois agents douaniers et deux civils qui perdent la vie. Dernière question. Gervens Ricardo Jean-Jacques, Radio Télé Kiskeya, et ministre de l'Intérieur, vous parlez de violence qui prend forme bataille guérilla. Et qui sont qu'a dit nous sous une série moun qui homme dit moun qui gagne uniforme la police sous yo azam fan fois dans main yo qui a circulé et puis l'on regarder l'on considérer quantité moun qui mouri dans dernier mouvement qui fait yo c'est dans tête yo mouri yo prend balle et une autre question bien rapidement nous connaissons encore et police frontalière et côté quoi ça. Et puis pour demain, nous dit tout le monde prend la rue, mais qui ça qui a fait si le monde prend la rue ou pas cacher une machine? Alors, c'est toi volet. Premier volet, c'est qui ça le dit? Conseil de monde qui a uniforme la police sous eux, Zampou Fanameo, puisqu'on parlait de bataille à guérilla. Est-ce que Haïti est en guerre? Le nous des conseils de moun, conseils de corps qui dans la rue avec Zam Fan Fan Meo et qu'il y a plusieurs manifestants qui mourent, c'est dans la tête. Première question. Premier volet dans la question. Alors, le nous parle de. Le monde qui a un uniforme la police, qui a un Zam Fan Fan. Bon, ça, je ne connais pas. Qui côté de sortie, parce que la page, j'en connais que gen moun qui gen uniforme la police, qui gen zam fanfwa. Si gen moun qui gen uniforme, qui gen zam fanfwa nan main, ça, c'est des moun que vous devez rechercher. Or, la police, jusqu'à présent, nous connaît, a fait un travail remarquable et garantit aussi des gen moun qui pas fait partie de la police, qui gen zam fanfwa nan main. C'est sûr que la police t'a pris ton bête-main dans la collecte pour dire à et mettre en prison. Deuxième volet de question, c'était quoi? Corps policier frontalier là, nous connaissons qui t'a mis en pour du fond toujours là. Et dans, par exemple, sous frontière Bélader, il y a eu présent.
présent et Malpastou également yo là. Et c'est possible que peut-être pas de arrivé de ça, mais pour l'école existe et la travaille. Dernier volet. Beaucoup et des dispositions qui sont prises demain, c'est toujours la même disposition que la police toujours prend, la pas assurer vraiment que sécurité mounio prise en charge, que sécurité mounio assurée et la pas assurer le tout également que le machine nous sorti demain, que la police présent sur tout intérieur, tant qu'on est toujours présent sur tout côté de passion. Par contre, si nous avons remarqué et dernier événement ça a été passé là, la police était présent, toujours présent, avant hier matin, et pendant que tout est au état-major de la police santé dans la rue, et nous avons représenté la présence de la police en pile également. Donc c'est pour assurer justement que et pour Mounio qui prend la rue normalement. Donc, disposition reprend et la police a pas accompagné Mounio, la police a devant toute l'école pour assurer sécurité. Donc, il est que vraiment que nous disons que Mounio, pour Alpha qui est à occupation normalement, pour si Mounio reprend le chemin d'école normalement, et que Moun qui prend le tenter ou bien qui prend essayer de mettre la troublage pendant la nuit là, ou bien demain matin dans le pays, Moun Sario, la police va jouer avec eux et la police va l'arrêter, la mener à la justice pour juger comme ça doit. Merci. Merci tout le monde de la presse qui était répondu présent pour la conférence là. Bon dimanche tout le monde. Voilà, amis téléspectateurs, tu as suivi en direct la télévision nationale d'Haïti, conférence de presse, secrétaire d'État pour sécurité publique, là, secrétaire d'État communication, ensemble avec ministre intérieur, ministre justice, là, même Yotebaï, sous disposition cap. Pour faciliter toute activité ou même vous faites comme ça droit demain à mardi ou du moins pour tout reste sécurité parce que j'en ai gagné membre dans le secteur opposition qui ont même annoncé grève pour deux jours qui c'est lundi ensemble avec mardi donc gouvernement lui-même li mande pour tout le monde vaque librement à occupation yo la police et puis ensemble avec gouvernement prend disposition parce que yo pas tolérer monde vin faire des ordres dans pays a. Donc ministre intérieur a te profité pour te parler de situation qui passait mal passe là côté pour le moment yo recensé 3 agents douaniers qui perdu la vie yo ensemble avec 2 civils déjà gagne une délégation qui déjà déplacé comment situation yé évalué petio yon façon pour capable gagner un rapport plus détaillé sur ça qui t'est passé mal passe là. Nous t'es content pour nous ensemble avec vous amis téléspectateurs, nous devons te brancher télévision nationale d'Haïti pour cette programmation.